Eh bien, salut les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 4, Rush Kama. Alors aujourd'hui, ça va pas être une astuce Kama normale ou quoi. C'est pour s'avancer beaucoup. Déjà, j'ai posé des percepteurs. Donc, je sais pas si on va encore voir les trucs, hein, les trucs. Alors, désolé. Alors voilà. Donc, c'est ma récolte que j'ai eue. Donc, il y en a encore deux. Hein. J'ai fait 4 percepteurs. Je les ai posés puis parce que j'avais que 4 portions. Et puis, ça m'a rapporté tous ces drops-là. Et donc, on va y vendre maintenant. En live avec vous et tout et tout. Alors, et sinon, j'ai aussi des autres ressources que j'avais mis la dernière fois, mais ce sont pas vendues parce que beaucoup de gens baissent les prix. Donc voilà, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre même prix. Alors, ça va partir, on s'en fout. C'est pas la guerre, moi je vais le vendre avant toi ou quoi. Ça va partir. Et donc voilà. Ça, c'est des petites conneries que j'ai drop aux eaux ténébreux. Je sais pas si c'est vraiment ça comme ça se dit. C'est la zone Srambad en fait, en haut, les plus durs là, les mobs qui sont grave galères. Et donc voilà. Ça c'était, je sais pas où ça, je crois que c'était une autre zone, mais je suis pas sûr. C'est dans une quête, je crois. Bref, ça c'était Xelorium, j'étais parti avec mon pote et puis on avait fait un peu de formage avec lui. Alors on va y mettre à ce prix là. Ouais, parce que ouais. Ouais, à ce prix là. Parce qu'ils niquent les prix, les gens ils tombent, bah, ils baissent la moyenne. Ça m'énerve vraiment. Voilà, ici 43 000 kama. C'est là 79 000 kama. Alors ça part, hein, ça doit sûrement partir. Juste que les gens baissent les prix ou quoi, ou ils s'amusent un peu. Hein. Mais bon, on s'en fout. Ça va partir un jour ou l'autre de toute façon. Et donc on s'en fout. Voilà, hop. Et donc vous allez voir que avec le peu de ressources, enfin le peu de kama que j'y mets en vente, et bah ça va bien partir, malheureusement pour ça. Voilà, donc y a rien qui dépasse les 100 000 pour l'instant. C'est 80 000 maximum et ça part déjà à 700 000. Donc on se dit ouais c'est peu, mais le peu, quand vous, pour peu quand même, si vous en avez genre en masse, le peu bah ça monte quoi. Si vous avez genre 400 ressources dans votre banque qui coûte genre 1000 kama, bah ça fait quand même 400 000 kama, hein, c'est pas. Faut voir les choses. Faut tout calculer quoi. Ah voilà, je mets tout en vente. Hein. Ça c'était à une trésor, j'étais parti bien pex là-bas. Et vous pouvez voir que ça m'a bien rapporté des kama. Enfin là, j'ai de quoi pas mal de me faire des kama en tout cas, hein, franchement. Juste comme remonter les masses. Et bim, là on vient à ce que j'ai drop par les trucs, par les percepteurs. Je vais mettre à ce prix là, ça va sûrement partir. Ouais. Hop, unité 678. Voilà, donc même je mets unité, hein, parce que de toute façon ça ne servira à rien de laisser sur moi. Regardez, sur moi ça servira strictement à rien. Ça je vais y garder, je crois. Je suis pas sûr, mais sans j'en ai besoin pour quelque chose de ça. Non, bon, je pense pas. Non, bon, ok, c'est pas grave, on va les mettre en montant. Les bandelettes, ça coûte rien du tout, il me semble, ouais, c'est bien ça. Ah, donc ça sert à rien d'y mettre par 10, hein. Autant attendre qu'on l'a par 100. Ça, hop, hop, hop. Voilà, donc hop. Ah, donc au fait, là, c'est une petite arnaque parce que ça vient à 7000 kama. À 700 kama les 100 si ça baisse pas les prix. Le moment je m'en fous, je laisse. Il y a des ressources que je vais garder, d'autres que je vais mettre en vente. Donc là ça va être 1000 kama. Voilà, donc du peu de ressources pensant ça monte bien. Hein. En plus il y a cette ressource là coûte bien cher, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Alors là par contre il y a un problème. Donc on va arrêter de me déranger avec ce problème là. C'est con, je trouve, franchement. Ils niquent les prix comme ça, c'est vraiment très con de leur part. Ouh, alors là, mes amis, on va se faire des kamas. Ne vous en faites pas, ça va bien monter les kamas ici. Il me semble que ça coûte cher, ça, mais je suis pas sûr. Ouais, c'est bien ça. Ça coûte quand même pas mal de kamas, et donc en masse, tu me le laisses. 200 000 km. Alors je vais lui répondre, j'ai pas vu son message.
Alors après 22 000, encore une fois, ouais, c'est normal, hein. Ici, hop, hop, hop. J'aurais peut-être aussi pu craft des clés Nelwyn. J'ai vu, je pouvais en craft 26, il me semble, c'est bien ça. 26 trucs de Bromine Tictorias là. Mais bon, j'ai pas envie de me casser la tête. En plus, tant trouver un mec qui veut bien les craft, ça prend du temps, quoi. Et puis, ça c'est un peu chiant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter. On va en acheter une. Si, si. On va en acheter une comme ça pour la vendre par 100. Parce que j'ai pas envie de la vendre jusqu'à 10 après par unité. 19 000. 191. Oui, c'est bien ça. Ça coûte bien cher, ça, il me semble. Ça coûte vraiment bien cher. Voilà. Ça coûte 110 000 kama. Ouais, 110 000 kama. Je m'en fous les 10, hein, parce qu'ils vont acheter par centaines les gens qui font qui veulent craft des items en masse, donc c'est ce qu'ils vont faire. Pouvoir pour la série, ces ventes là, non, c'est pas ça, c'est ça. Pour la série, ces ventes là, elles vont bien servir. Ça sert à rien, on peut remonter juste à côté. Pour la série, ça monte bien les kamas, franchement. Je suis assez satisfait. Et je regrette pas d'avoir posé ces percepteurs là. Les oreilles. Ouais, moi c'est déjà ça, hein, 1600 kama x 8, ça fait pas mal de kama. Ah voilà, pour l'instant il y a qu'une ressource qui dépasse les 100 000 kama. Ça, je vais garder. Rien d'autre. Donc voilà, vous pouvez voir que petit percepteur sert à quelque chose. Alors en plus que je l'ai posé à 1 h du matin, donc Colette est la preuve, à 1 h, 2 h du matin je crois. Et je me suis déco, et ce matin je me co, et hop, voilà, je vois que ça part déjà bien. Ça coûte pas mal de camas, hein, franchement. Ici, bon, c'est pas vraiment les vrais prix, mais bon, on va laisser comme ça. Je pense que ça devrait bien partir en masse. Ça, par contre, ça coûte cher, franchement. Je trouve que c'est la ressource la moins chère, mais quand même, ça part bien. Hop, alors voilà. Donc, ce qui est par unité comme ça, je vais rester après. Hein. Je vais juste vendre déjà ça, ce qui est bien, bien plus de 10 minimum. Alors, ça coûte bien cher, par contre. Franchement, pour 10 petites ressources, ça coûte bien cher. Et puis, ça, bah ça, ouais, on va les laisser. Hein. 4 x 7, ça fait quand même 21, il me semble. Si je fais un calcul, 28, 28 000 quand même, juste ça. Maintenant, on va passer par les trucs par dizaine. Alors, ça, on ne vend pas par dizaine. Ça, on va pas y vendre par dizaine. Ça, non, ça, pas la peine. Ah, si, ça prend, c'est la peine d'y vendre par unité. Ça coûte quand même bien cher. Et ça aussi, je pense, le tissu. Ouais, c'est quand même un bon tissu qui coûte bien cher. Ici, ça coûte bien cher, ouais, je me disais, hop. C'est encore plus de gamma. Voilà, donc je suis con parce que je les vends par unité. Ah, donc je peux plus mettre d'objets en vente. Ouais, je suis full. Ouais, donc je vais attendre que ça part. Alors vous pouvez voir qu'il n'y a rien qui dépasse 100 000 gamma sauf une petite ressource où je l'ai eu 3 fois. Ouais. Je sais plus si où c'est encore. C'est là, voilà. Donc c'est les ailes de Guenac. Alors moi je vais encore poser des percepteurs, c'est pour vous dire. Et puis bah voilà, vu les ressources que j'ai ici là, j'ai franchement de quoi bien monter à 2 millions 112 gamma. Donc moins 600 et quelques mille, ça peut rapporter, ouais, donc 1 million 5 juste en ayant posé les percepteurs. Et en plus de ça, j'ai encore quelques petites ressources qui traînent sur moi. Alors voilà, c'est tout pour cet épisode là, on se verra dans un prochain épisode. Allez, ciao tout le monde. Et abonnez-vous.